Bonjour, mon père. Comment avez-vous su que je venais ici? Je n'étais pas tout à fait certaine. Je n'ai pas le droit de vous parler. Ordre du médecin. Oh. Mon père, est-ce que les prêtres croient en la télépathie? Oui, quelques-uns. Regardez. C'est là. C'est là que le père Mérine a affronté Pazuzuz. Vous vous souvenez du père Mérine? Oui. De quoi d'autre vous souvenez-vous? Je me souviens de tout. Et vous n'avez pas peur? Je voudrais tant vous rassurer, mais je ne peux pas, hélas. Pourquoi le sorcier noir ne semblait pas craindre Pazuzuz? Je l'ignore. J'essaierai de savoir. Ce sorcier s'appelait Kokumu. Il faut que je me rende immédiatement en Afrique. Si je peux retrouver Kokumu, le sorcier, je l'ai nettement vu en rêve. Je connais son pouvoir de vaincre le mal. Lamon, vous risquez de vous mettre en conflit ouvert avec l'Église. Reprenez-vous, je vous en conjure. Vous ne me laissez aucun choix. Je suis forcé de vous relever de votre mission. Vous vous abstiendrez de toute demande dans ce sens. Nous nous reverrons après la retraite que je vous conseille de faire. Mérine regardait le mal en face et il le reconnaissait. Là où il était, et il le nommait. Il a mené, seul contre le mal, un combat désespéré jusqu'au bout. Et nous, nous le désavouons. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous indiquer la voie vers le royaume du Christ sur la terre? Et c'est une espérance qu'au fond de notre cœur nous avions abandonnée. En fait, vous êtes convaincu que l'humanité est malade, condamnée, hérétique. Et c'est la négation de notre mission évangélique.